C'était une année 2022 chargée pour Victoria Mo. Celle qui a rencontré Nicolo Ferrari sur le tournage des 50 sur W9, a connu une relation tumultueuse avec ce dernier. Celle-ci a pris un terme avec perte et fracas. C'est via une vidéo YouTube que Victoria Mo a décidé de faire sa rétrospective amoureuse de 2022. On vous en dit plus. Victoria Mo classe ses ex ce 18 janvier 2023. Victoria Mo a posté une vidéo YouTube dans laquelle elle revient sur sa vie sentimentale en 2022. L'occasion pour la jeune femme de faire des révélations croustillantes, révélant notamment que Bastos était le plus compatible avec elle Loli et que c'était la raison principale pour laquelle elle revenait souvent vers lui. Nicolo, qui a récemment tenté sa chance avec Shakira, a eu droit à quelques petits tacles. Celle qui dit désormais faire un rejet des Italiens, a déclaré, « Je suis resté 6 mois avec un gars qui n'avait aucune estime de notre relation. Et là où j'ai été le plus déçu c'est quand il a voulu partir en tournage alors qu'on était en embrouille et qu'il a demandé à ce que nos avions soient séparés et qu'en gros on s'explique devant les caméras. » Malgré tout, elle a ajouté en fin de vidéo, « Je pense qu'avec le temps on pourrait très bien s'entendre. » Taclée sur son nombre de conquêtes, Victoria Mo a été choquée de constater, par la suite, recevoir des messages désobligeants sur le nombre de conquêtes qu'elle a pu avoir en 2022. Elle a alors tenu à répondre à ses haters via sa story Instagram, « Les gens dans les commentaires YouTube vous devriez partir de l'époque archaïque et n'hésitez pas à revenir vers 2023 doucement. Parce que j'ai l'impression qu'avoir eu 6 mecs en un an, c'est un truc de malade. Déjà, j'ai eu le mérite d'être honnête avec vous et de vous dire la vérité. La plupart des meufs on les écoute, elles n'ont eu que 2 mecs dans leur vie alors que ce n'est pas vrai. Moi j'assume, il n'y a pas de souci. Et puis les mecs, vous avez eu 45 000 meufs en un an, on vous dit ouais champion, belle perf fait tout. Moi j'ai eu 6 mecs, il y a des meufs qui me traitent et il y a des mecs qui me traitent. Victoria Mo les invite à balayer de leurs portes avant de venir la juger de la sorte. Une vidéo qui n'a pas du tout plu à Nicolo Ferrari de son côté, Nicolo Ferrari n'a pas du tout apprécié les propos de Victoria Mo à son encontre dans cette dernière vidéo YouTube. Il n'a pas manqué de le faire savoir via sa story Instagram, déclarant alors, au passage, « Notre star vient de sortir une vidéo où elle me salit en racontant de la merde sur moi, où elle se moque de moi. » Bien évidemment, elle a mis ma tête dans la miniature de la vidéo pour que ça fasse des clics et du coup de la YouTube money. Je suis content que, encore une fois, je puisse faire augmenter son compte bancaire. Qu'en pensez-vous ?